Avant cela, nous avons le devoir de lire et de commenter à l'intention des heureux mariés les dispositions du code de la famille qui se rapportent au mariage. Heureux mariés, l'article 349 du code de la famille vous dit ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Faisons part de son premier alinéa. Et premier alinéa, la loi vous dit que le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme, une femme et un homme. Ce mariage-là, qui unit un homme à une femme, auquel vous vous engagez librement aujourd'hui, s'appelle mariage monogamique. Le caractère monogamique de votre mariage est sacré. Vous êtes promis de le préserver. Et cela à tout prix. Concrètement, papa heureux marié, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas aimer une autre femme. Tu vas donner ton cœur à celle qui est à ta gauche et tu vas lui apporter tout ton amour. Maman heureux marié, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas aimer une autre monsieur. Tu vas donner ton cœur à celui qui est à ta droite et tu vas lui apporter tout ton amour. C'est pour vous dire que le caractère monogamique de votre mariage sera préservé par la fidélité. Papa, soyez fidèle à votre épouse. Maman, demeurez fidèle à votre épouse. Voilà, maintenant, il y a une question importante qui se pose.
combien de temps vous vous engagez dans ce mariage. Vous vous mariez aujourd'hui pour une année, vous vous mariez aujourd'hui pour deux jours, ou vous vous mariez aujourd'hui pour toujours. Et bien le deuxième alinéa de l'article 349 du Code de la famille donne la réponse à cette question. En vous disant ceci, l'homme et la femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. C'est pour vous dire que votre mariage commence aujourd'hui, 4 février 2022, mais ça se termine le jour de la mort. Entre-temps, vous êtes tenu de passer toute la vie ensemble. Mais la vie est faite de hauts et de bas. La vie est faite de bonheur et de malheur. Pendant le bonheur, soyez mariés. Pendant le malheur, restez mariés. Que le bonheur ne vous sépare pas et que le malheur non plus ne vous sépare pas. On applaudit de manière plus large. L'article 349 du Code de la famille fixe deux principaux objectifs d'un mariage. Pourquoi vous marier aujourd'hui? Eh bien, premièrement, c'est pour partager la commune destinée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement partager la vie à deux. Tel que vous êtes là, papa et maman, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour. Ça signifie que par ce mariage, vous devenez une seule et même personne. Vous réalisez l'équation 1 plus 1 égale 1. Mathématiquement, impossible. Vous mettez sur le... Pourquoi vous vous mariez aujourd'hui? Eh bien, premièrement, c'est pour partager la commune destinée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement partager la vie à deux, tel que vous êtes là, papa et maman, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour. Ça signifie que par ce mariage, vous devenez une seule et même personne. Vous réalisez l'équation 1 plus 1 égale 1. Mathématiquement impossible, mais par la magie de l'amour et du mariage, cela devient possible. Cela est possible à tous les couples que je vous ai présentés. Vous voulez bien les applaudir. Le deuxième objectif pour lequel vous vous mariez aujourd'hui, c'est celui d'avoir des enfants. Tout en souhaitant à chacun de vos couples une très grande progéniture, je voudrais aussi vous rappeler que les enfants assurent la continuité de votre image et de votre nom sur la terre des hommes. Voilà pourquoi vous devez faire bénéficier aux enfants que vous aurez d'un meilleur encadrement, d'une bonne éducation, d'une très bonne instruction pour que des mois plus tard, ils portent votre image, ils portent votre nom, mais avec honneur et fierté. En attendant, la loi portant protection de l'enfant vous incombe l'obligation d'enregistrer à chaque naissance les bébés qui arrivent au bureau de l'état civil de la commune de votre résidence. Donner la vie à un enfant, c'est bien. Lui assurer ses droits, c'est mieux. Le premier droit à assurer un enfant, c'est de lui délivrer son acte de naissance, qui est un document juridique qui reconnaît à un enfant son papa, qui reconnaît à un enfant sa maman et qui lui donne le droit à la succession. Voilà, nous lisons l'article 444 du Code de la famille. Cet article vous dit ceci et Romain. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. Eh bien, papa et le marié, la loi vous établit chef de la famille que vous allez fonder avec votre épouse. Mais à côté de ce pouvoir, la loi vous soumet à une protection mutuelle. Papa et le marié, à partir d'aujourd'hui, vous allez protéger votre épouse. Vous allez veiller à sa sécurité, vous allez veiller à sa santé et vous allez pouvoir
à cette maison. Maman, heureusement, à partir de ce jour, vous allez protéger votre pays. Vous allez veiller à sa sécurité, vous allez veiller à sa santé et vous allez satisfaire à ses besoins. Voilà donc pour terminer, nous lisons l'article 454 du Code de la famille. Cet article vous dit ceci de Romain. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage. Le mariage auquel vous vous engagez aujourd'hui doit être consommé. Et pour qu'il soit consommé, vous devez vivre ensemble, vous devez habiter ensemble et vous devez dormir ensemble. On applaudit le marié pour cela. Voilà, cela étant, nous invitons le couple Pianyomo Andolo William Devant. Où sont les amours? Monsieur Pianyomo Andolo William, acceptez-vous le prof, mademoiselle Zouzou Kafouti William Mariam, ici présente, comme votre épouse. Mademoiselle Zoubou Kafouti Maria, acceptez-vous de prendre M. Pianyomo Andolo William, ici présent, comme votre épouse. En ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Ngania, je déclare que M. Pianyomo Andolo William et mademoiselle Zoubou Kafouti Maria sont unis également par le mariage civil en date de 4 février 2022. Très sincère félicitation, passez-vous les anneaux. Passez-vous les anneaux. Pour pas traîner l'anneau qui convient. On va laisser. Papa, allez-y. Papa, passez la maison au chocolat de tout. Papa, prenez l'anneau qui convient à votre fils. Vous insérez l'anneau sous la lunette de votre gauche et vous lui passez un message. Les témoins. Les témoins.
souhaitons un heureux mariage et une grande prospérité. Le Seigneur, nous vous tenez effectivement votre épouse et vous avancez de la porte de sortie, vous allez prêter à côté. Vous tenez votre épouse, vous avancez de la porte de sortie. William, bonjour, c'est comme on le montre.